Mais je comprends pas. Je comprends pas. Kha'Zix est plus fort en solo queue qu'en pre-made, ça je suis d'accord, mais je pense pas qu'il est pas jouable en pre-made. Je pense qu'il est moins fort, mais je pense pas que ce soit le perso le plus doublé de la Terre, quoi. Donc, par exemple, on a vu un Swain, je pense pas que Swain soit beaucoup plus fort que ne l'est Kha'Zix, quoi. Kha'Zix a été ban au LCS période, ça m'étonnerait quand même. Ah, il a été interdit? Ah bon? Ah, c'est peut-être possible, ça m'étonnerait. Ça me paraît bizarre, mais c'est possible. Mais si c'est le cas, ça expliquerait pourquoi, parce que je comprends pas. Enfin, je comprends pas pourquoi en fait un joueur, notamment un top laner, pourquoi il se dirige. Enfin, je trouve qu'il y a des persos vraiment qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Enfin, je pense pas qu'entre un Zac et un Zac, il y a une différence de malade. Par contre, un Kha'Zix et un Kha'Zix, franchement, il y a vraiment une grosse grosse diff par rapport à l'approche du teamfight. Et c'est sûr, entre un Zac encore ça va, mais entre un Malphite et un Malphite, bon, il y a l'ulti qui va changer, mais ça va s'arrêter là. Hein. D'ailleurs, je crois pas que les Malphites ont gagné dans les LCS. En tout cas, tous les Malphites que j'ai vus ont perdu. Parce que c'est tellement prévisible ce que veut faire un Malphite. Je trouve que c'est pas assez ce qu'il est. Dans le même genre, je préfère largement une Lissandra. C'est pas tout à fait pareil, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Jax c'est très fort en late game. Le truc c'est qu'il faut arriver au late game. Maintenant en solo queue, bah des fois, bah on va dire en solo queue, le late game, il y en a rarement. Hein. Je vous cache pas que je pense pas que sa game va durer plus de 40 minutes. Mais en pre-made, le late game il peut y en avoir. Mais le truc qui est compliqué en pre-made, c'est qu'il faut éviter les traps. Et ça c'est dur. Parce que quand les mecs prennent. Enfin, en fait, tant que l'équipe en face n'a pas l'avantage, elle peut pas vraiment trap facilement. Mais si jamais elle prend l'ascendant. C'est ça qui est compliqué, c'est quand t'es derrière avec Jax pour revenir dans la game, c'est pas évident parce que les mecs vont essayer de trapper, vont essayer de finir la game fast pour pas se faire outscale par Jax. Poursuit de Rengar, c'est sympa. J'aime bien, mais le truc c'est que c'est un des rares persos, on va dire, un peu all-in que je joue. C'est parce que j'aime bien le gameplay, mais je trouve que c'est un peu un perso, si jamais il a pas de kill, bah il sert pas des masses honnêtement. Enfin, je trouve que. En lane, honnêtement, en 1v1 en lane, clairement, c'est très très dur de pas se faire bash contre des bons joueurs. Parce que c'est pas du tout OP en lane en 1v1. Oula, là il est clairement mort. Oh merde, il joue barrière, ça je savais pas. Déçu. Ah merde, putain. Un petit peu déçu là. Je peux plus le tuer. J'essaie de le spear avant qu'il récupère son level et son passif parce que clairement après je peux plus. Enfin je pouvais plus. Dommage, bien joué en tout cas Lee Sin. Route-moi. Oh putain, s'il m'avait routé là. Dommage que j'ai pas mon flash. Clairement je pourrais le bait, mais là sans le flash c'est un peu compliqué. Ok, j'ai pas encore mon 6. Le petit flash auto-attaque. Like a bitch. Donc là il y a Ruina qui arrive, ça se voit parce qu'il a changé d'attitude. Donc là c'est clairement pour laisser XP. Ok, on va attendre le niveau 6. Le bémol c'est que je n'ai pas du tout de mana et ça me fait bien chier. Parce que du coup là je peux plus trop m'approcher. Il y a le joue barrière, donc ça j'aurais dû regarder par contre. Alors non. Ok, on bro auto. Il joue là. Là j'en ai un là. Sans bordure, ouais, c'est pouvoir streamer les amis, sinon vous n'allez pas pouvoir streamer. Mais les gens ne vont rien voir. Oula, merde, j'ai mis un coup de trop là. On va devoir le tuer, du coup, sinon je pourrais pas l'avoir, la skip. Merde, j'ai niqué la game là. C'était nul ça, par contre. J'ai niqué un CS pour rien. Maokai bot. Ma copine en face. Elle a pris. Une tire. Ah, c'est elle qui a eu kill ou quoi? Non. Elle a eu que la 6, mais elle a quand même eu du gold. Ok. Alors, j'ai avoir mon 6. Je veux aussi avoir mon item. Ce qui est très très intéressant. Donc, il me manque un peu plus que 150. J'ai la ward, je vais la garder, j'en ai pas besoin pour l'instant.
Ok, piochons. Écartons-nous de la boule. Nickel. Son combo n'est pas passé. C'est très très risqué ce qu'il a essayé de faire là par contre. Alors. Ok, il a fait son Q-spell, du coup il ne l'a plus. Il a mis son boubou. Il y a la petite Maokai. Le petit arbuste. Oh là 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 là, putain, sans le savoir, il a sauvé son collègue. On va back. J'ai mon flash dans une minute. Le temps que je ricole, je vais récupérer tout ça. J'ai pas besoin d'avoir des potions. Deux wards, ça par contre, ça peut m'être utile. Donc on va écho pour la ward. Et c'est reparti. Run my way mid. Pourquoi l'item de jungle? Parce que c'est bien. Je pense que c'est vraiment pas dégueulasse du tout sur Nidalee. Je sais que je suis tout seul à faire ça pour l'instant, mais un jour, croyez-moi, la revanche des Nidalee arrivera. Donc le bulbul ne marche plus, évidemment, puisque tout a été nerfé. C'est un peu dommage. Enfin, ils ont pas nerfé, ils ont modifié les items, en fait. Oula, oh putain, il a 2 PV, sa mère. Oh là 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 là, t'es sérieux? Putain, je l'aurais pas eu, mais... Putain, je suis déçu. Boum. Oh là 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 là. Alors là, elle est dans un angle qui est très facile à viser. Ah, fuck. Elle les esquivera malheureusement pas toutes pour elle, quoi. Donc là, elle peut pas l'esquiver, celle-là. Ça me va. Joli flash out. On va essayer de forcer l'ulti sur moi. Triple kill. Il aurait peut-être pas dû décaler là. Et là, c'est là que ça fait plaisir de jouer un perso comme Nidalee. Oh merde. Où le mec. Je vais clairement fuir. Ah, il a dû bien criser. Boum. Bon blue buff. See ya bro. Nickel. Alors. Et donc là, la game, elle est bien partie. Voilà pourquoi je joue Nidalee. C'est tellement mieux, quoi. C'est tellement pas le même jeu, putain. J'adore ce jeu. Enfin, quand je joue Nidalee, j'adore ce jeu. Yeah. I can't solo the blue. Alors, on va agresser la petite coquine. Donc là, je vais pouvoir réduire un peu mon farm, mais jouer super agressif sur elle. Cherchons en ouverture. Trouvé. Ouais, je vais mettre la Zizou au sbire, parce que le sbire est en train de me follow. Il est déçu. Clairement, il est très déçu. On va poser un trap ici. Putain, il roule ou ce mec? Ok, il est trop tanky par contre, je peux pas le tuer. Ça prendrait trop de temps. Donc on va tuer les autres. Bon, si j'ai pas le choix, j'attaque pas lui, mais bon. Allez, niveau 6, la Sona, elle vient de level up. Nice, ça ward. Ça, ça fait le taf. Ulti-moi. Je pense que je vais l'avoir là. Ah merde, non, je l'aurai pas là. Ouais. NP tire pigeon. Il y a les sbires. Il va falloir s'en dépatouiller. Cherchons un angle.
Oh, what the fuck? Oh non! Putain, je pensais pas mourir là. Je pensais pouvoir survivre à 2 PV. Bon, j'ai tué le collègue Maokai. J'aurais dû glisser plus vite par contre. Oh, oh, joli. Petite roquette. Et voilà. Well played. Clairement, je suis resté pas mal de temps. C'est plus du décalage là, c'est du décalage posage de temps. Ah, j'aime bien, c'est bien plus marrant. Ok, on est reparti. On va redécaler sur la bataille encore une fois. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup de farm avec Nidalee. Si je, en fait, si j'anti-farm les mecs en face, c'est encore mieux au final. Parce que là, pendant que je fais ça, bien évidemment, je pense pas qu'il récupère beaucoup de farm le mec. Parce que déjà, Maokai, lui, ne peut pas du tout XP. Wow. Il y a eu chaud, le collègue. Faisons une ward ici. Comme ça, je peux lui voler ses specs quand il va les faire. D'ailleurs, il est là. Là, il s'est dit. Ah ouais, quand même, les dégâts. Fillon, il s'est dit. Sona. What the fuck? Petit angle. Très bien, on va lui voler ses spectres. Si tu le prends ainsi. Oh merde! Oh putain! D'accord. Le LOL est pas. Merde, le LOL est mal configuré. Siège automatique. Ok, donc je vais activer le siège automatique pour éviter que ma Nidalee se retourne. Parce que sinon. Sinon, faut que j'appuie sur S. Donc moi, je joue sans. Ça sert à rien, honnêtement. Tout à fait tous capables d'appuyer sur un clic droit. Donc ça évite de ce qui s'est passé, tout simplement. Le jump au bref, c'est le seul jump que je ne maîtrise pas, puisqu'il est vraiment, il est vraiment différent. Allez. Wow! Clairement, il a eu chaud. Ça, c'est ça que je kiffe avec ce perso, quoi. Clairement, tu peux aller souiller le mec jusqu'à la deuxième tour, quoi. Right, mate. Oh là. Ah, oh, genre. Il a compris. Et oui, j'étais bien en route, mec. Voilà. Oh merde, j'ai pas mon flash. Oh fuck. Je voulais flasher l'ultime. Je n'allais pas. Merde, trop tôt mon fils. Merde, je mérite de crever là. J'aurais dû clincher plus tard, my bad. Nickel, petit dragon. Bon, attention, la peine est magique. Je crois que on les a un petit peu. C'était un petit peu une course-poursuite. Désactiver le ciblage automatique, ouais, dans les options. Non, j'ai clincher trop tôt en fait, faut clincher à l'impact du route. J'ai cliqué trop tôt. My bad. Je sais pas si j'aurais survécu, mais rien que pour ce fail, je méritais de mourir. Alors le Vlad, il en est où? Le Vlad. Ok, il est pas mal. Bon, le Maokai, il a perdu tout son avance, ça c'est cool. Parce que du coup là, je le fais tellement chier que bah il va plus servir à grand chose, je pense. Oh, je me suis fait balader mon farm. Pas très gentil ça. Une taxe.
Monsieur Banane. All right, mate. Là, Maokai et la bot lane sont vraiment dans le mal. La Orianna est pas très bien, je pense. Oh putain. C'est pas fait que ça va rendre cette pierre là. Oula. J'ai chopé du monde là quand même. Oh! Oh putain. Ah oh, ouais. Salut. On fait la même technique. Ta carte c'est loup, ma couillasse. Enfin, mon vie. Oh, c'est cher. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Tiens. It's my fault. Non. Les mecs, tu carries 9 fois 10 fois. Je m'amuse surtout là. Ok. Nickel, c'est reparti. Ah non, non, oh là là, oh là là. Ouais, clairement j'en ai besoin par contre. Le farm ami tu peux le prendre mais ça ça clairement pas. Ok. Déçu là, la Sona s'est barrée. Elle n'est pas tombée dans le piège de la voix. Bon c'était un petit peu obus vu que je vais tuer Vladimir mais bon. Elle a bien fait de la Sona, hein. Elle a ulti à travers le mur, je pouvais pas vraiment l'esquiver, du coup parce que je pouvais pas le voir en fait. Bon après bon j'avoue que. Je les respecte vraiment pas du tout. Ça donne du piment au stream. Ah merde. Really? Non. Ah non, ok. Je crois que ça avait bugué. Allez. Salut. Oh là là. Il est déçu. 30 MR. Ok, ça me va. Et non. Oh la banane. Et non. Ah merde. Oh là là, je l'ai eu putain. Allez. Je l'ai vraiment plus respecté non plus lui. Putain. Il est déçu. Merde. Mais elle a été mauvaise. Elle a été mauvaise cette spire. Oula, ça. What are you doing, bro? Le vu le sort de son, il y a un mec derrière. Salut! Je ne fais que passer. Oh là 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 là! Je te rends fou, mec! Je te rends fou! Je te rends fou, quoi! Un de barre. Oh, il se met devant, tricheur. Merci. Ah! Putain, j'avais pas le cooldown, sa mère. Il est déçu. Clairement, là, ils sont au fond. Une petite Sona qui a été, du coup, esquivée et tout. Le petit kill. Sur le collègue Lucian. Ah, il broie du noir. What? What the fuck? Ah merde. Le collègue. Attention, il y a que des gars. Ah ça va, l'ami, je fais une blague. What the fuck? Ok.
Oula. On est mal. On my way. No. Ah, je suis mort là par contre. Wow. Avec le sustain, ça a failli passer. Ça a été assez what the fuck. Car même moi, j'aurais pas cru. Alors. Tac. Non. Ah, j'avoue, le Cid Arena, elle a niqué la game, quoi. Ok. Ils vont faire un all-in d'achat, peut-être, je sais pas, on va voir. Apparemment, non. Hop là. Bon, j'aurais pu faire Rabadon, je fais partie de la peine magique. C'est Rabadon, c'est plus fort contre les mecs qui n'ont pas de résistance. Et ça, c'est plus fort contre les mecs qui ont des résistances. Grosso modo, ils en ont quasiment tous. Même pas. Ils ont aucun d'entre eux a fait pas mal d'aimants. Il y a lui. Ils ont deux à avoir de la MR. Il y a un petit peu via le Z de Sona, mais. Let's go. Ouais, clairement, il n'y a pas beaucoup de persos qui peuvent vous donner du plaisir comme ça. Je pense que clairement, Nidalee, c'est vraiment au-dessus, quoi. On my way. Amusons-nous. Wow. Ah, tu vas être pas content, toi, par contre. J'aurais dû anticiper ce move là, c'était sûr qu'il allait back. Oh non! Les sbires! Et non! Pas bien. Come on! Come at me, bro! Il m'a attendu, mec. Il est vraiment confiant, quoi. Je t'ai trompé, hein. Ah oh, merde, c'est banane. Oh, merde, j'ai plus de banane. Fuck. Faut que je tue un mec avec la bleue. Ou alors faut que j'attende que Jarvan meure et je tue le mec qui tue Jarvan. Deuxième solution me semble pas mal. Non, je prends encore test Jinx et je vais la tester bientôt. Oula, attends, fuck. Je vais la tester bientôt le ou là. Je pense que c'est une fille, mais. Allez, je suis sympa, je te heal. Oula. Oula. Wow. Holy man. Holy fuck, dude. Non, il a pas reculé. Putain, j'ai tellement pas de mana. Oh, le tricheur. Ah, ah, ça sent pas mal, ça. Ça sent bon, ça. Il y a un mec qui va chase. J'ai 2 PV, mais. Oh, putain, ils viennent pas. Lui, par contre, il va pas kiffer. Oh! Oh, bien joué quand même. Salut. Oh, oh merde. Oh merde. Oh, je me guéris sur toi, mec. Je me guéris sur toi aussi. Oh là, je te rends fou. Oh, la bonne ward. Bien joué. Ah, par contre, là, c'est wardé. Je savais pas. Oh merde, oh genre. Haha. Holy shit, dude. Non, 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 non. Ah non, putain, non. Non. Ah, dégoûté. Oh, le tricheur. Tiens, t'apprendras à tricher. Ah, oh, dégoûté, sa mère. Putain, c'est con, c'était bien marrant. J'aurais bien kiffé la poursuivre, enfin, continuer cette pourcourse poursuite pendant des heures. Ça me plaisait pas mal. Oh, il est tellement au fond. Putain, déçu, là. Au pire, allez, on va faire ça. Ah, dégoûté.
Ça c'était tellement épique quoi, putain. J'aurais kiffé que ce move continue pour encore quelques minutes. En plus, j'étais en galère de mana, du coup, ça a donné du piment quoi. Parce qu'il fallait que je fasse un kill pour pouvoir récupérer de la mana. C'est vrai que j'ai go sur l'arena parce que je... après, j'aurais pu. Enfin, sans mana, c'est compliqué sans la forme de Kuga. My way. De pression. Oula, oula. Wow! Clairement, il a dû avoir chaud. Là, l'ultime de Lucian, quoi. Salut! Putain, le Aatrox a pas reculé avant la Orianna, quoi. Oh shit, dude! Aatrox? Ah non, c'est pas Aatrox, putain, c'est. Comment il s'appelle déjà? Lucian! Lucian, non? Oh! Wow! Clairement, j'ai eu peur pour lui. Là, t'es tellement fou, mec! Là, t'es trop fou, putain! Je me suis guéri sur la gueule des mecs, du coup, je suis pas mort! C'est trop épique, putain! Touché! Oh, flasher! Entre les sbires! Là, t'es déçu! J'arrive, Vladimir! Ah! Il m'a pas vu venir lui par contre, je crois. Oh non, Lucien, Lucien! Oh shit, dude! Ah, j'aurais tellement pu lui mettre un sort à la base. Oh, oh putain, il y a une tour ou pas? Il n'y a pas de tour. What the fuck? Mon viewer! Ah non! Ah non, je voulais flasher pour sauver mon viewer, j'ai raté. Dégoûté. Bienvenue dans Tire Pigeon. Une map officielle des Barriottes. Oh! Oh! Flasher extraordinaire! Ouh, les dégâts! Lol! Il a pris la spire! Wow, c'était un peu chelou là! Wow, c'était vraiment bizarre d'ailleurs! Clairement, l'ulti va faire mal! No, Corki! Et non! GG! Une game épique! J'ai kiffé! Clairement, j'ai kiffé! C'était vraiment des bonnes barres! J'adore ce. Bah, j'adore Nidalee! Clairement, c'est vraiment, vraiment, vraiment au-dessus! Platine 2, nickel! Et merci aussi à notre viewer qui a fait le taf! C'était nickel avec Sajana! C'était parfait! Je me suis régalé, vraiment! Je me suis régalé! C'est clairement pour ça que je joue à League of Legends! C'était vraiment des barres. J'espère aussi que. J'espère vous avoir partagé un petit peu les délires, un petit peu là. Un petit peu les délires qui a eu parce que c'était vraiment. C'était vraiment super nice. Thank you. C'était vraiment bien marrant. Donc, si cette game vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, skyart.wii, puisque. Et sur Twitter, donc le Twitter Skyart, tout simplement, puisque c'est avec ça qu'on va pouvoir débloquer des partenariats. C'est aussi dessus que je vais répondre à vos questions sur le mur. Et je link à chaque fois que je stream, vous voyez, ici et ici. Et donc voilà, donc je joue beaucoup Nidalee parce que j'aime beaucoup le gameplay. J'espère vous avoir un petit peu partagé un peu la passion pour laquelle je joue Nidalee, puisque c'est, pour le coup, là, vraiment, c'est clairement le jeu, enfin, le perso qui me donne le plus de plaisir et de loin. Puisqu'il y a du skill shot, il y a de la grosse mobilité, on peut trollolo. Bon, je troll beaucoup trop, mais c'est pour aussi rendre le stream un peu plus agréable.
Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Merci beaucoup les amis, on a dépassé les 33 505 effectivement. On va voir si ça fait monter 30 321. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Vous êtes vraiment vraiment au-dessus les amis. Ça fait vraiment plaisir en tout cas, sachez-le. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur Eclipsia, énormément même. Des choses que vous ne vous attendez peut-être pas, mais Eclipsia est en train d'exploser et c'est grâce à vous. Donc pour ça, des fois aussi, on vous donne aussi les PaySafe Card. Pour ça, bah, il suffit de nous rejoindre pour avoir tout ça sur les réseaux sociaux. Vous avez tout de toute façon en dessous de cette vidéo. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de faire cette game avec vous, les amis. Et merci à toi, le viewer Brototo. C'était vraiment super cool. Donc, je fais des enquêtes des fois avec des viewers, des games aussi avec les viewers, etc. Donc voilà. Donc, c'était une game avec mes amis. Les amis, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Voilà, allez. Clairement, quelques honneurs. Ça fait plaisir. Donc, on se retrouve, les amis, pour ma part, bah, demain. Je vous laisse avec le super Sarens de la soirée. Et donc, voilà, pour ma part, je vous laisse ce soir. Je vais avancer sur les autres projets. Donc, en tout cas, bah, merci à vous, les amis, d'avoir suivi. Je vous laisse avec Sarens. Sarens, il va vous faire le show, les collègues. Et donc, à demain pour ma part les amis et donc restez connectés. Merci à tous d'avoir encore une fois rejoint sur Twitter et sur Facebook. Ça fait vraiment plaisir. Presque 8000 et presque 30 350. Merci à vous. À demain pour ma part et bonne soirée avec ça. Arrête les collègues. À tout de suite.